pas eu et sa fille éprouvent beaucoup en commun, mais aujourd'hui ils parlent et se voient moins souvent qu'avant. Sa fille lui manque, mais la politique a tendu leur relation. Et les disputes sont désormais monnaie courante, car les enjeux de la politique leur tiennent de deux à cœur. Il y a un conflit parce que ce qu'elle veut et les revendications des manifestants sont des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'espère qu'au fil du temps, elle deviendra plus mature, plus réservée et qu'elle aura une meilleure compréhension du monde. Proust eut désormais une routine, penché sur son ordinateur portable, surfant sur Facebook et Twitter pour se tenir au courant des dernières informations sur les troubles qui secouent le pays. C'est un combat auquel la jeune fille de 22 ans croit, mais c'est aussi un combat qu'il a placé en porte-à-faux idéologique avec ses parents. Ma relation avec mon père, on se dispute beaucoup plus, disons. Parfois, la dispute se termine par le silence où chacun s'ignore pendant quelque temps. À plusieurs moments, la situation a été vraiment tendue. Il m'a dit que si j'allais manifester, c'était fini, je n'étais plus sa fille. Dans un pays longtemps secoué par des manifestations sanglantes et ponctué par des coups d'État sous prétexte d'y mettre, les derniers mois ont vu des dizaines de milliers de personnes descendre dans la rue alors que la tension s'accumule à nouveau entre l'establishment et ceux qui cherchent le changement. La génération plus âgée a vécu des expériences différentes, mais le monde a changé. Nous voulons l'égalité, nous voulons la liberté, mais certaines personnes plus âgées ne comprennent pas cela. Pour certains, la bataille dans la rue se poursuit autour de la table, brisant la dynamique familiale. De nombreux parents sont en désaccord politique total avec leurs enfants et dans certains cas, des enfants ont été chassés du foyer familial et des parents ont même intenté des poursuites contre eux. Bien que la polarité politique ne soit pas nouvelle en Thaïlande, ces derniers épisodes révèlent un fossé générationnel beaucoup plus évident. Car il touche des institutions très révérées au-delà de la politique conventionnelle. Je n'ai jamais vu un fossé aussi grand. Cela va au-delà de la politique et élargit l'écart entre les générations en ce moment. Et c'est là que réside le problème. Alors que la Thaïlande entre dans une nouvelle phase d'incertitude politique, les deux bords de ce clivage politique vont continuer à s'approuver.